Qui êtes-vous? Nous sommes de la rivière Noire. Que voulez-vous de moi? Tu possèdes ce que nous cherchons. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Laissez-moi tranquille. Ton don nous appartient. De quel don vous parlez? Oui, tu appartiens à la reine de la rivière Noire. Je ne dis rien du tout, laisse-moi partir, je vous en prie. Donne-le-nous, on te laissera partir. Donne-le-nous. Abaisé. Qu'est-ce qui ne va pas? The people searching for solution never knew their happiness really. Not everyone with beautiful faces will definitely have a good heart. Some problems have a deep foundation. You have to know the root of your problems before you search for solution. Votre Majesté. Salut. Très bien, Majesté. Bonjour, père. Bonjour, mère. Salut, fils. Fils, j'espère que tu as bien dormi. Oui, père. Tu as demandé à me voir. Où est passée ta sœur, la princesse? Oh, je l'ai vue dans la parcelle, en train de sortir avec une servante. Mon fils, j'avais envoyé qu'on te cherche. J'avais besoin de toi concernant ce dont on avait discuté la fois passée. Oui, et cela est très bénéfique pour tout le royaume. Père, je t'ai dit que je n'étais pas intéressé. D'ailleurs, je suis trop jeune pour ça. Tu avances en âge. Ce que ton père essaye de te dire est pour ton bien et pour le bien de tout le royaume. C'est quelque chose que tu dois faire, fils. C'est ta responsabilité. Cette discussion doit se terminer maintenant. Je ne suis pas intéressé, père. Et ça reste ainsi. Puis-je partir maintenant? Femme, va parler à ton fils. Oui, mon roi, oui. Va lui parler. Je vais essayer de parler avec lui, oui. Salutations, mon prince. Salutations, ma reine. Je vous salue, ma reine. Où est le prince? Il est sorti, ma reine. Il est sorti? Oui, ma reine. Salut, ma princesse. Salut, grand chasseur. Comment tu as su que je suis un grand chasseur? Je vois bien que tu as un animal dans tes mains. Ah. Je peux dire que tu es un grand chasseur des ODJ. Merci, ma princesse. De rien. Est-ce que je peux avoir ça? Quoi? Tu veux ma viande sauvage? Oui, bien sûr. Tu peux l'avoir. Merci. Puis-je m'en aller maintenant?
Bien sûr. Merci, ma princesse. Merci. Ma princesse, pourquoi cet animal? Adugo. Oui, ma princesse. J'ai une raison pour ça. Ok, ma princesse. Allons-y. Ta nourriture est prête. Nourriture? Oui. De toutes les façons, je dois assister à une réunion maintenant là. Et je commence déjà à être en retard. Mais s'il faut que j'aille encore manger, je vais vraiment être en retard pour cette réunion, tu vois. Laisse-moi aller revenir. Papa, s'il te plaît, on a d'abord mangé ta nourriture à l'intérieur, ok? Je sais que tu aimes beaucoup ton père. Et tu n'aimes pas qu'il sorte de la maison avec oui. l'estomac vide. Mais pour cette réunion particulière, il faut vraiment que j'aille immédiatement. Ou je raterai la décision qu'ils auront prise là-bas, tu vois. Même si la nourriture s'est refroidie, quand je rentre ici, je vais manger sérieusement. Tu sais très bien que j'aime manger ce que tu as préparé. Tu me connais très bien, n'est-ce pas? Papa, tu sais que je fais tout ça parce que je t'aime beaucoup. Je t'aime de tout mon cœur, mon papa. Je sais. Mais il n'y a pas de problème. Je me suis rappelé. Emeka, qu'elle ne me parle pas, ça fait quelques jours maintenant. Je ne sais pas, peut-être qu'il a un problème qui le dérange. Je n'ai vraiment pas encore observé cela. Mais si c'est vraiment ce que vous pensez, alors je pense que chaque homme a toujours une chose à laquelle il pense tout le temps. Probablement, il doit être soit dérangé par quelque chose ou il est en train de penser à quelque chose. Mais je pense qu'il a besoin d'un peu de calme pour ça. Ne t'inquiète pas, c'est comme ça avec les hommes. Dès mon retour, nous allons avoir une discussion d'homme à homme avec lui. C'est mon fils quand même. Tu serais mieux parce que ça me dérange. Ne t'inquiète pas. Je sais que tu aimes beaucoup ton frère, mais il ne faut pas t'inquiéter. Bien sûr que je dois le faire, hein, papa. Oui, moi, je m'en veux maintenant. Mais rassure-toi. Rassure-toi de bien veiller sur la maison et surtout ne te dérange pas, hein. Ne bouge pas d'ici, reste à la maison et reste calme. Je reviendrai très bientôt. Papa, je ne bougerai pas. Oui, reste là. Je veux rester surveiller la maison. Oui, très bien. Il n'y a pas de problème, mon... Ceci est un mauvais signe. Non. Ah. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Non. Dieu de notre terre. Dieu de mes ancêtres. Une calamité est sur le point de frapper cette terre. Qu'avons-nous fait pour mériter ça en ce moment? Qu'avons-nous fait? Non. Non! Non! C'est un mauvais signe. Un serpent vu par une personne devient un piton du jour au lendemain. Le roi doit en être au courant. Le roi doit en être informé. Non! Non, nous devons faire quelque chose. Non. Non. Mère, je t'ai dit que je n'étais pas intéressé à me marier. Tu ne recules pas en âge, fils. Pourquoi moi? Akudo, ma grande sœur, est bien là.
Pourquoi ne pas la prioriser pour qu'elle se marie au lieu de moi? Avez-vous au moins pensé à ça? Comprends-tu notre tradition? Hein? Sais-tu que tu ne peux pas briser la tradition ou l'ajuster? Fils, c'est toi le successeur du trône. C'est toi l'héritier de ces royaumes. Es-tu en train de l'oublier? Oh, tout est clair. Est-ce parce que je suis le prochain au trône? Voilà pourquoi père et toi n'arrêtez pas de me pousser à me marier? Juste à cause du trône. Ce n'est pas seulement à cause du trône. Tu es assez âgé. C'est pourquoi nous parlons ici. Ce qui préoccupe plus ton père, c'est le trône. Il s'agit ici de la royauté. C'est de ce royaume. De notre communauté. C'est ce qui le préoccupe. C'est de ça que je te parle. Mère, je ne suis pas intéressée au trône. Et c'est mon dernier mot. Ferme-la. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu racontes des bobards, de n'importe quoi. Emeka. Ouais, ma princesse. S'il te plaît, viens. Salut, ma princesse. Salut, Emeka. Merci de m'avoir donné ton animal la fois passée. Oh, c'est rien, c'est rien. Comment va le prince? Oh, le prince va bien. Emeka. Ouais, ma princesse. Puis-je avoir encore cet animal? Tu veux encore ma viande sauvage? Bien sûr que oui. Bien. Tu peux la voir. Emeka, je suis très reconnaissante. Merci pour m'avoir encore donné cet animal. C'est rien, c'est rien. Tu peux partir. Merci. Alors, comme je le disais, vous avez raison, ma princesse. Ikeonowa, mon roi, le terrain que j'avais promis t'est donné pour une ferme. Oui, mon roi. Si tu vas à la rivière, tu vois les terrains à droite. Prends tout ça. tout ça pour moi, mon roi. Oui. En tout cas, mais merci non, beaucoup. Non, le temps n'est pas arrivé pour ça. Vraiment. Mon roi! Un danger est tout proche. Un danger s'approche. Le ciel est devenu noir. Le ciel est devenu obscur et le ciel s'est déplacé de sa position normale à quelque part d'autre que les dieux savent. Seuls les dieux le savent. Seuls les dieux le savent. Mais de quoi parlais-tu? Que le soleil s'est subitement assombri comme ça? Et comment? Mais comment? Qu'est-ce que tu connais, simple mortel? N'ose jamais questionner les dieux. Je ne comprends pas le danger dont tu parles. Igwe, Ntari, Ntari! Hey! Ntari, Nechonon! Ntari, Ntari! Ntari, Nechonon! Ntari, Ntari! Isi, Igote, Bobaya! Ntari, Ntari! À cause de la désobéissance de ton fils, Abaisé,
toi et le royaume tout entier, vous êtes fait attirer la colère des dieux. Les dieux ont été si provoqués au point où tu n'as aucun choix que de t'apprêter. Aucun choix que de t'apprêter. Après, tu as fait face à la colère des dieux. Une calamité frappe bientôt cette terre. Ntarin, Ntarin. Ntarin, Mechone. Ntarin, Ntarin. Onazema, Manabe. Ntarin, Ntarin. Nyeje, Amachele. Ntarin, Ntarin. Est-ce que le prince est au courant? Salut, grand Ofala. Salut, Ogazi, mon frère. Pourquoi est-ce que ton visage est comme ça? Tu n'as pas eu de gibier aujourd'hui? Ou ces gibiers sont en congé? Tu vois, tu ne vas pas comprendre. Ça fait 3 jours que je ne suis rentré avec aucune viande sauvage. C'est pour ça que ton visage est comme un homme qui a été mordu par un serpent dans la forêt. Tu sais très bien que c'est Dieu qui donne le gibier. Exactement. Les dieux ont toujours pourvu chaque fois que j'entre dans cette forêt. Mais tu ne vas pas comprendre. Mais du moment où tu sais que c'est Dieu qui donne le gibier, Mais pourquoi tu te plains? Okazi, s'il te plaît, je ne sais pas si tu peux garder ça secret, ce que je vais te dire. Ah, il n'y a pas de problème pour ça. Tu sais très bien que je m'y connais en matière de garder de secrets. Tu le garderas secret de mes parents et de mon Ada. Je te promets. Ok, le fait de ne pas rentrer avec de viande sauvage n'est qu'à cause de la princesse. La princesse? Ouais, mon frère. Qu'est-ce que la princesse a à faire avec le gibier? Au cas où, chaque fois que je rentre avec ma viande sauvage comme d'habitude, je rencontre toujours la princesse et sa servante et elle demande ma viande sauvage. Et je finis toujours à la leur donner. Ça, ce n'est pas sérieux. Donc, tu veux me dire que la princesse et sa servante prennent toujours ton gibier? C'est exactement ce qui se passe. Et ce n'est même pas une fois ou deux fois. Même pas 3 fois ou 4 fois. Félicitations, mon frère. Pourquoi tu me félicites, moi? Oh, mais c'est évident. Tu ne peux pas voir ça. N'es-tu pas en train de voir l'amour tout autour de la princesse? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je parle de quelque chose de très sérieux. Toi, tu parles d'amour. Elle n'est pas juste en train de prendre tes gibiers. Elle est intéressée à autre chose. Et qu'est-ce que ça peut être? C'est parce que tu es le plus grand chasseur de ce royaume. Et ton père est né des anciens. Et parmi les jeunes, tu es le meilleur. Et si j'ai la chance de saisir l'opportunité, je vais la saisir très rapidement. Bien, si c'est ce que tu veux, tu peux saisir l'opportunité. Je ne suis pas intéressé. Tu dois prévenir ton fils. Préviens-le. Ce garçon n'est pas en train de voir les choses clairement. Mon roi, s'il vous plaît, relax, ok? Vas-y doucement avec lui. Je ne cesse d'en discuter avec lui et je crois que il finira par comprendre.
Je te prie de lui donner un peu de temps. Le temps. Tu as dit le temps. Oh, bon sang. Tu sembles être ignorante de ce qui se passe dans ce royaume. La situation se dégrade graduellement. D'ailleurs, rapidement. Et tu veux que cette situation puisse ronger tout le royaume? Vraiment, regarde. Nous n'avons pas de temps. Ça n'a jamais été mon souhait. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Désolée si tu m'as mécompris, mais ce n'est pas comme ça que je voulais le dire. Je vais continuer d'en parler avec lui. Certainement, il finira par se plier. Je te fais une promesse. Sache que je ne me lasserai pas d'en parler avec lui. Jusqu'à ce qu'il comprenne, il doit nous comprendre. Je m'en charge. T'inquiète. The people searching for solution never knew their happiness really. Not everyone with beautiful faces. Emeka. Ma princesse. Emeka. Oui, ma princesse. Désolée de t'avoir fait peur. Ça va, ma princesse. Comment se passe la chasse aujourd'hui? Nous remercions les dieux. Nous remercions les dieux. Je veux que tu viennes au palais. Moi? Oui. Au palais? Ok, ma princesse. Aujourd'hui. Ok, ma princesse. Si c'est ce que tu veux, je viendrai, ma princesse. Très bien, alors. Je vais donc t'attendre. Ok, ma princesse. Reste loin de Emeka. Je ne veux plus te voir autour de lui. Je me suis fait comprendre. Emeka est à moi. Sachez que je ne le laisserai pour rien au monde. Ok, c'est bien. Ne dis pas que je ne t'avais pas averti. Je vous avertis aussi, restez loin d'Emeka. Abaisé. Pourquoi tu n'obéis pas à la voix de notre papa? Abaisé, je te parle. Si tu n'as rien d'intéressant à dire, va-t'en d'ici. Réalises-tu que tu parles à ta sœur aînée? Ma sœur aînée qui veut que son petit frère puisse se marier avant elle. N'as-tu même pas honte de toi-même? N'essaie plus jamais ça. Ou bien tu verras la bête en moi. Enlève ta sale tronche de ma vue. Abaisé. La loi va toujours demeurer. Jusqu'à ce qu'il sera temps. Enlève ta sale tronche de ma vue. Grand-mère de la rivière noire, ton sacrifice est là. Mais
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à ma fille? Papa. Oui. C'est Emeka. Emeka le chasseur. Il a eu le courage, le culot de taper la princesse de ce royaume. Comment ça? T'étais tapé? Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne marchait pas avec lui là-bas dans la forêt. Et directement, il m'a tapé. Ok, c'est bien. Laisse-moi gérer tout ça. Papa fait quelque chose. Ne t'en fais pas. C'est bien. Va à la maison. Merci, papa. The people searching for solution never knew their happiness would be. Not everyone with beautiful faces will definitely have a good heart. Some problems have a deep foundation. You have to know the root of your problems before you search for solutions. Before you look for solutions, you have to know the root of your problems. Arunime, Arunime, Zam, Zam, Zam. Arunime, Arunime, Zam, Zam, Zam. Arunime, Arunime, Zam, Zam, Zam. Arunime, Nobodo, Zam, Zam, Zam. There is only one true God that is greater than all the gods. I am that I am. He's a yet that I am. I am that I am. Call upon him in your distress. He will come for your rescue. He's the way, the truth, and the life. He's the only source of solutions. He will come. Longue vie, mon roi. Vous me demandez. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé dans la forêt? Mon roi, si je vous dis ce qui s'est passé dans la forêt, vous ne pourriez pas me croire. Vas-y, dis-moi, je te croirai. Ok, mon roi. Lorsque j'étais... rien ne s'est passé dans la forêt, mon Qu'est-ce roi. Que tu as dit? Rien ne s'est passé. Tu as commencé par me dire quelque chose. Vas-y, achève-les. J'étais en train de... Tais-toi et ôte-toi de ma vue. Maintenant, sors. Garde, sautez-les d'ici. Salutations, ma reine. Salut. Ma reine, le repas est servi. Ok, je passerai à la table très bientôt. Merci beaucoup. Ah. Maman, tu es ici? Ah, la voici, ma fille. Comment tu vas? Je veux bien, maman. Salut. Qui est-elle? Maman, elle, c'est Amaka. La fille que je proposais au prince à baiser. Ah bon? Oui, maman. Amaka? Oui, ma reine. Elle est très belle. Je suis très rassurée que le prince va bien l'apprécier. Bien sûr. Je l'aime déjà. Bienvenue, ma chérie. Merci. C'est bien. Laisse-moi alors informer le roi. Non, 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 non. La première des choses à faire, c'est de présenter Amaka au prince. Tu sais, la nuit quand je serai avec le roi, j'aurai l'opportunité de lui parler d'Amaka. Mais pour l'instant, elle doit d'abord aller se présenter au prince. D'abord le prince. Maman, c'est très oui, sage. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, pour l'instant, on peut aller dans la chambre du prince. On y va. Adugo. Oui? Je voulais te poser une question. Qu'est-ce qu'il y a? Vous collectez les gibiers, toi et la princesse, chez Emeka. Comment les sais-tu? Parce que personne ne connaît à propos.
Mais quoi donc? Les murs ont des oreilles. L'ami de Emeka, c'est lui qui m'a informé de la situation. Après qu'Emeka ait souffert pour attraper les gibiers, vous les collectez de lui. Que faites-vous avec ces gibiers? Je ne sais pas. Si je te dis, tu ne vas pas me croire. Je ne sais pas où est-ce qu'elle l'emmène. Adougo. Adougo, t'es une menteuse. Comment peux-tu m'expliquer qu'Adougo, la populaire, ne sait pas où la princesse va avec ses gibiers? Je suis confuse. Chaque fois que je lui demande, elle ne fait que rire. Je ne sais pas. Je suis innocente. Adougo, bien. Puisque tu ne veux pas me dire la vérité, tu sais quoi? Je vais l'informer au roi. Ah! Ne le dis pas au roi. Veux-tu me mettre dans le trouble, hein? Rite! Tu ne veux pas me dire la vérité. T'inquiète. Ah non, je ne sais pas, s'il te plaît, crois-moi. Oh. Ma sœur, qu'est-ce que tu essaies de dire? Ada est sur le point de perdre son homme. Que veux-tu dire? Tu sais, Emeka court derrière la princesse, juste à cause du trône. C'est pour cette raison qu'elle veut se donner la mort? Oui. À cause du chasseur Emeka? Pendant qu'il y a beaucoup d'hommes dans ces villages? S'il te plaît, je veux que tu m'aides à faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, Adougo, ton ami est la servante rapprochée de la princesse. S'il te plaît, je veux que tu ailles voir Adougo et parler avec elle pour savoir ce qui se passe entre la princesse et Emeka. Je ne saurais faire ça. Je ne le ferai pas. Ah ah, il y a beaucoup d'hommes dans ces villages. Qu'elle trouve un autre. Bien sûr, je sais. Mais j'ai besoin de ton aide. Je vais y penser. Je verrai, je dois réfléchir là-dessus. Je n'ai pas confirmé que j'irai la voir, mais je vais d'abord y réfléchir. C'est pas sérieux. Qui est-elle, maman? Qu'elle se trouve un autre homme, c'est tout. Qui est-elle, mère? Elle s'appelle Amaka. Elle fera une bonne femme pour toi, dans le mariage. Oui, mon frère bien-aimé. Amaka, c'est une très bonne fille. Tu vas beaucoup l'aimer. Exactement. Ce que ta sœur essaye de te dire est que elle est une femme très équipée, n'est-ce pas vrai? Elle a tout ce qu'une femme doit avoir. Je t'assure que tu vas l'aimer. Nous allons vous laisser tous les deux pour que vous ayez le temps de vous connaître. Oh oui, maman. Alors, allons-y. Où allez-vous comme ça, toutes les deux? Oh fils, ne comprends-tu pas? Nous voulons que tu sois plus relax avec Amaka. Nous voulons que tu prennes le temps de parler avec elle. Nous ne pouvons pas rester ici et écouter tout ce que vous serez en train de raconter quand même. Hein? La princesse a quelque chose à me montrer dans sa chambre. Oh oui, maman, tu as dit la vérité. Allons-nous-en. Mon prince. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir, s'il te plaît. Je reviens. Laisse-moi aller finir un truc, s'il te plaît. Adougo, mon ami, tu sais que tu es la seule amie que j'ai dans ces villages. Je sais. Alors, j'aimerais te demander une chose, hein? Si tu me dis la vérité, je te promets que je ferai quelque chose de spécial pour toi. C'est quoi encore, Adézé? Promets-moi d'abord que tu me diras la vérité. Encore des promesses, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu sais que je réalise toujours mes promesses. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe exactement au palais? Ma sœur, tu sais que depuis ton départ, beaucoup de choses se passent dans ces villages. Es-tu sérieuse? Ma sœur, les gens disparaissent. Les objets disparaissent juste comme ça.
J'aurais même appris qu'il y a un groupe de filles qui sèment la terreur partout dans le village. Seigneur, donc c'est tout ce qui se passe dans ce village. Beaucoup de choses. Beaucoup. Cette fois-ci. Mazuka, Mazin Chumbuzo, bienvenue. Tu ne peux pas refuser notre requête. Sois averti. Sois averti. N'accède pas à leur demande. N'accède pas à leur demande. Sois averti. C'est fait. C'est fait. Chinyere, qu'est-ce que je te fais? T'ai-je offensé d'une certaine manière? J'ai cru qu'on était amis. Chioma, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Tu me demandes, tu veux savoir? Ok, je vais te le dire. Donc, en dehors de tous les hommes de ces villages, c'est mon homme, mon futur mari. C'est après lui. C'est après lui que tu cours. Pourquoi? Ah! Moi, je cours après ton homme. Comment je peux faire ça? N'as-tu plus confiance en moi? Confiance? Je ne te fais pas confiance. Et je ne te ferai jamais confiance. Puisque tu es une traîtresse. Ok, si tu dis ça, laisse-moi mettre tout au clair. Où tu étais venue chez moi le jour où tu nous avais vus pour découvrir ce qui ne va pas entre la princesse et Emeka? Il m'avait dit Ogasi lui avait envoyé. Écoute, tu veux dire que où tu étais venue te voir au sujet de la princesse et Emeka? Oui, c'est ça. Mais personne ne m'en a parlé. Mais j'ai cru qu'il y avait un lien entre vous deux. Il m'a supplié pour l'aider. Je ne peux pas te piquer ton homme. Tu es mon ami. J'ai cru que vous aviez un lien entre les deux. Mais pourquoi il ne m'a pas expliqué? Chioma, crois-moi. Je te fais confiance. Je suis désolée. Toute personne qui a eu à me faire ça. Que le dieu de notre terre t'expose. Pendant combien de temps vas-tu rester ainsi? Je comprends ta situation. Ne cherche pas ce que tu gâches ton futur. Tu peux avoir un très bon futur. Je sais. Jusqu'à quand continuerai-je comme ça? Ça ira. Suis-je venu dans ce monde juste pour souffrir? Mais où étaient les dieux quand maman était morte? Je souhaite juste que les dieux prennent ma vie. Que le dieu nous en épargne. Arrête de dire ça, Ifeanyi. Tu ne connais pas plus que les dieux. Les dieux ne prendront pas ta vie. S'il te plaît, essuie ces larmes. Hein? Tout ira très bien, t'inquiète. Elle m'a raconté tout ce qui se passe entre la princesse et Emeka. Finalement, qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle a dit qu'il n'y a rien entre eux. Elle a dit qu'ils sont juste amis. La princesse a l'habitude de prendre des animaux auprès d'Emeka. Amis, vraiment? Adobo ne veut pas te dire la vérité, c'est pas vrai. Tu m'as dit que Meka était juste préoccupé à donner à la princesse les gibier. Oui. Écoute, tu crois qu'il est lui donné gratuitement? Il y a certainement quelque chose là derrière. Chioma. Chioma. Quoi?
Pourquoi tu ne peux pas te mêler de tes affaires? Qu'est-ce que tu racontes? Avez-vous terminé de puiser de l'eau? Oui, grande sœur. Allez prendre pour moi les garis que j'avais achetés chez maman et Gay. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Dépêchez-vous, oh. Attends une minute. Elle est vraiment très belle, exactement comme ma sœur. Tout ce qui lui concerne est vraiment parfait en elle. Non. Je ne peux pas me marier à une étrangère. Dont je ne sais même pas d'où elle vient. Pourquoi est-ce que mon père tient absolument à ce que je me marie? En ce moment. Parce que tu es le futur roi. Que veux-tu dire? À baiser. Arrête d'être surpris, tu le sais bien. Je sais ce qui te dérange. Tu es le seul fils de ce trône. Pourquoi ne pas donner la chance à Amaka de te prouver son amour? Tu peux être d'accord avec moi qu'elle est vraiment très belle. Frère. Je peux le voir dans tes yeux. Que tu as trop de réflexion. Là, c'est ce que je dis. Tu ressens quelque chose pour elle. Alors, pourquoi est-ce que tu en doutes? Je ne peux jamais tomber amoureux d'une quelconque femme. Encore moins de ta soi-disant Amaka. Alors, tu ferais mieux de la ramener là où tu l'as prise. Homme, avant que je parte, dis-lui de partir maintenant. C'est bien toi qui l'as ramenée. À baiser. On verra bien. Uchi, ne penses-tu pas que nous devons aller voir Emeka, hein? Je sais que c'est à cause de la viande de la brousse. Pourquoi pas? Il y a quel rapport entre moi et ces gibiers? Ok, Z. Veux-tu me dire que c'est seulement à cause de la viande de la brousse que tu vas aller dans la maison de Mika? Bien sûr! Ce monde n'arrêtera pas de nous étonner. Un ami dans le besoin. Uche. Ogazi. Je suis désolée pour ce que je vous ai fait, tous les deux. C'est quoi ça encore? C'était juste pour vous dire que je suis désolée. Uche, bon, je te verrai après. Prends soin de toi, mon cher. Oui, merci, mon ami. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'ai déjà expliqué beaucoup de choses, mais tu ne prêtes pas ton oreille. Je sais, mais je suis désolée. S'il te plaît. Ok, très bien. C'est parce que je t'aime. Je t'aime moi aussi. D'accord, très bien. Adougou, lève-toi, Adougou. Hey, non, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Adougou, Adougou, lève-toi. Essayez de faire quelque chose, je vous en prie. Allez, oh Seigneur. Hey, allez, débrouillez-vous, faites quelque chose, Adougou, je t'en prie. Lève-toi, Adougou. Hey, mon Dieu, non. Arrête ça, s'il te plaît, toi aussi. Tu plaisantes. T'es pas sérieuse. Comment est-ce que tu peux être sûre de ce que tu racontes?
C'est pas vrai. Hein? Et où? Mais... Attends, qu'est-ce qui se passe? Hein? Dis-moi, où est-ce que... Oh mon Dieu! Hein? Non, c'est pas vrai. Non. Hé! Hey! Regarde, mais où est Paris? Les sisters sont sorties. Le bassin. Abaisé, est-ce que tu vois ce que tu as causé aux servantes de ce royaume? Je n'ai rien causé du tout. Laisse-moi tranquille. Abaisé, tu dois te marier pour que cette calamité s'arrête. Merci bien. Laisse-moi te dire ceci. Tu es ma grande sœur, je te rappelle. Alors marie-toi et laisse-moi dans ce palais. Ou bien tu n'es pas assez âgé? Comment oses-tu? N'ose même pas répéter ça. Enlève ta tronche de ma vue. On verra bien. Et qu'est-ce que tu fais encore ici? Mon prince, je vous aime. Et j'aimerais devenir votre femme. S'il vous plaît, prenez-moi comme votre femme. Ne t'approche pas de moi. Ne me touche pas. J'ai dit non! The people searching for solution never knew their happiness within. As everyone with beautiful faces will definitely have a good heart. Some problems have a deep foundation. You have to know the root of your problems. Before you search for solutions, before you look for solutions, you have to know the root of your problems. Arunime, Arunime. Qui es-tu et pourquoi tu es ici? Je demande, jeune homme, qui es-tu et pourquoi tu es ici? Je suis là pour voir le roi, parce que j'ai un message pour lui. Dis-moi, jeune homme, quel roi veux-tu voir? Mon roi? Et quel genre de message tu as pour lui? Je ne sais pas. Oh, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Alors tu ne peux pas voir le roi. Et le roi ne veut pas te voir non plus. Quitte ici. Si le roi ne veut vraiment voir personne, alors ça devait être toi. Et non moi. Parce que j'ai un message très important. Pour le roi. Puis-je tu aller? Ne peux pas aller. J'ai dit, le roi ne veut pas te voir. Va te chercher quelque part d'autre. Pas ici. Mascarabouche. Mascarabouche, va dans la brousse pour trouver ce que tu veux. Pas ici. Le roi ne veut pas te voir et tu dis mascarabouche. Je ne suis pas là pour toi. Je suis là seulement pour donner va un message. Va dans la brousse pour trouver ton mascara. Le roi ne veut pas voir quelqu'un comme toi. Hop! Salutations, mon roi. Mon roi, je suis pasteur Sam, fils des Boumé. Le Seigneur des cieux a un message pour toi. Ne vous inquiétez pas, mon roi, pour tout ce qu'il y a eu à se passer ici dans ce royaume.
Qu'est-ce que tu connais à propos de ce qui arrive dans mon royaume? Mararaboshe. Mon roi, le Dieu du ciel peut tout voir, plus que vous ne pouvez l'imaginer. Le Dieu de l'univers peut voir ce royaume au-delà de ce que les dieux peuvent Stop voir. Sors d'ici maintenant. Mon roi, tu ne peux pas le comprendre, mais je suis là pour aider. Garde! Mon roi. Prenez ces genoux maintenant. Mon roi, s'il vous plaît, ce que je dis est vrai. Il faut écouter. Faut écouter ce que je dis. Écoutez, écoutez. Mon roi, ce que je dis est vrai. Mon roi, écoutez, écoutez. Je suis le prince Abiezé. Salut mon prince. Je suis pasteur Sam. Je vous en prie. Oui, merci. Qu'avez-vous dit à mon père qui a fait qu'il vous chasse comme ça? Mon prince, je lui ai juste donné un message. Un message? Un message de qui? De Dieu, le Créateur. Le Créateur? Qui est le Créateur? Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui a créé les cieux et la terre. Le Fils du Dieu vivant? Je ne comprends vraiment pas ce que vous voulez dire. Mais laissez-moi trouver un endroit où nous pouvons plus parler de ça. Gloire au Seigneur. Merci Jésus-Christ. Êtes-vous en train d'essayer de dire cet homme dont vous êtes en train de parler est plus grand que nos dieux? Oui. Mon prince, tu ne peux pas le comparer avec quoi que ce soit ou qui que ce soit d'autre. Mascarabouche, si seulement tu crois en lui et marche selon ses instructions, il sera avec toi partout où tu iras. Sharababa, sharabasha. Pouvons-nous aller pour le voir? Non, mon prince. Nous n'irons nulle part pour le voir. Parce que il est présent ici avec nous. Mascarabosha, mascarabosha. Vous blaguez avec moi ou bien? Je ne blague pas avec toi, mon prince. Il est Alpha et Omega. L'ancien des jours. Le roi des rois. Celui qui change l'inchangeable. L'omniprésent. Il est partout. Il est Yahweh Rabasha Rabasha Kasha. Baba ke rabasha karabasha. Marinde baba baba sharabasha. Que sa paix vienne sur toi. Je suis celui qui suis. Roi des rois. Roi des rois. Seigneur des seigneurs. Yaba kayabosha. J'ai vu. Tout va bien. J'ai vu. Calme-toi. Sois en paix. Que la paix du Seigneur comble ton cœur. Tu as raison, Mazi. Qui sait qui viendra après? Ça pourrait être moi. Peut-être même toi. Ou encore quiconque ici. Oui, qui bien sait? Sûr, bien sûr. Igwe. Bienvenue les anciens. Igwe. Igwe, il y a du feu sur le haut du bois qui brûle. Avant qu'il ne prenne le bois en entier, vous devez agir rapidement, votre majesté. Mon roi. Si tout ce village arrivait à prendre feu, qui allons-nous diriger, mon roi? Bam. Qu'allons-nous faire? Mon roi, cette option de pouvoir inviter le chef spirituel au palais afin de nous dire
celui qui apporte la calamité dans ce village et nous donner la solution. Écoutez, la cause de la calamité n'est pas loin de nous. La cause, c'est le prince Abaisé. C'est lui la cause. Je ne suis pas la cause de tout ce qui arrive dans ce royaume. Comment oses-tu me répondre? Toi, est simple mortel. Répondre à la bouche de Dieu, contrôle ta langue. Contrôle ta langue, sinon ta langue disparaîtra dans un monde inconnu. Ou bien le Dieu te frappera à mort ici et maintenant. Comment est-ce que tes dieux peuvent me forcer à me marier? Tu parles toujours, toi, hein? Une chose très surprise. Mazi. Oui. Où a-t-il pu avoir de tels pouvoirs? Mazeoka, j'en sais rien. La chose la plus surprenante est que tu ne peux pas imaginer que le prince ait défié le chef spirituel. C'est incroyable. Ah. Pour qu'il puisse défier le chef spirituel, il doit y avoir quelque chose derrière lui. Bien sûr, c'est quelque chose de très mystérieux que toi et moi ne pouvons pas expliquer à part les dieux. Vraiment. Bien. Comment est-ce que tout peut se passer bien du moment où ton fils est venu au palais et a tout gâché, a tout foutu en l'air? Que s'est-il passé? Pouvons-nous asseoir? Je ne me mettrai pas. Ton fils est venu au palais et a tout foutu en l'air comme ça. Oui. Que veux-tu dire par là? Il est venu avec quelques pouvoirs magiques qu'il a utilisés contre notre chef spirituel. Non seulement l'utiliser contre le chef spirituel, mais à défier le chef spirituel. Mais d'où est-ce qu'il a eu ce pouvoir? Tu me demandes. Et il a dit que ce pouvoir venait de ce qu'il appelle C'est ça le nom de ces dieux ou quelque chose? Et tu me demandes quand tu verras ton fils, demande-le lui. Je suis celui qui suis. Mazi, un instant. Attendez. Attendez un instant pour qu'on va pouvoir parler. Hein. Vous avez un rapport avec le feu qui veut ravager le village. Je suis en train de prier que cela ne se fasse pas comme prévu. Vous savez, ce que nous expérimentons en ce moment dans ce royaume ne s'est jamais passé dans l'histoire de ce royaume. Bien sûr. Que toute notre végétation et nos fermes disparaissent juste comme ça. Cela signifie que si nous n'agissons pas rapidement pour nous occuper de cette situation, quelque chose de très mal va arriver dans cette communauté. Bien sûr, c'est vrai. Oui, mes chers anciens, oui, je pense que nous avons un grand prêtre sur cette terre. C'est vrai. Je pense que la meilleure option, c'est de l'inviter au palais, afin de découvrir si nous avons offensé les dieux. Il a raison dans ce qu'il dit.
Mais qu'est-ce qui se passe dans cette communauté? Qu'est-ce qui nous arrive enfin? Hein? C'est quoi comme ça? s'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Mes enfants ont encore besoin de moi. S'il vous plaît, ne me tuez pas, s'il vous plaît. Ayez pitié de moi, ayez pitié. S'il vous plaît. Ha! Ha! Ah! Papa? 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 Papa, s'il te plaît, papa! Papa! Papa, qu'est-ce que tu as? Papa! Papa! Papa, non! Papa, non, non, c'est quoi? Je suis très confuse. Ma sœur, moi je pleure. J'ai très peur. Les histoires qui se passent dans ces villages commencent vraiment à me faire peur. J'ai peur. Nous n'avons même pas où aller, mon Dieu. Je prie pour que rien de mal ne nous arrive. Ah! Hein? Ah! Ma sœur! Ah! Ma sœur, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as? Mon cou! Ah, mon cou! Qu'est-ce que tu as? Mon cou! Qu'est-ce qui t'arrive? S'il te plaît! Ma sœur! Ma sœur, s'il te plaît, lève-toi! Ouvre les yeux! Regarde-moi! Aïe! Mon Dieu! Aïe! Oh! Oh! Ah! Mon! Mon! Ah! 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 Mes sœurs! Mes sœurs! Non, 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 non! Aïe! Mes sœurs! Aïe! Ma sœur, réveille-toi! Réveillez-vous! Aïe! Aïe! Mais qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Réveille-toi! Oh! Aïe! Non, 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 non! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Réveille-vous! Réveille-vous! Réveille-toi! Réveille-toi! Aïe! 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 Je suis fini! Oh! Repentez-vous! Car le royaume des cieux est proche! Les dieux de ce monde ne peuvent pas vous sauver! Il n'y a qu'un seul homme qui puisse vous sauver! Et ce nom, c'est Jésus. Je vous apporte à tous une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est venue sur cette terre. Jésus veut que vous soyez tous sauvés. Repentez-vous. Repent. Tu n'as pas de pouvoir dans ce royaume. Aujourd'hui, c'est ta fin. Non, vous mentez. Vous, esprit et force de l'enfer. Retournez vers celui qui vous a envoyé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Feu au nom de Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Merci. Hé. Bonjour ma reine. Hé, je m'adresse à toi. Je ne sais pas qui tu es. Je n'ai même pas besoin de savoir. Sache que si quelque chose de mal arrive à mon ami, à cause de ta stupidité, si quelque chose de mal lui arrive, c'est moi qui t'ai mise au monde. Je vais te tuer. Prends le temps de parler à ton frère. Je veux t'étrangler. Personne ne viendra me demander quoi que ce soit. Que rien n'arrive au roi. Parle avec lui. Prends le temps de parler avec lui. Je ne suis la cause de rien du tout, mère. Je ne peux pas l'épouser. Je ne peux pas épouser Amaka. Je suis trop jeune pour ça. Je ne l'aime même pas. Comment oses-tu parler de l'amour? Tu parles toujours de l'amour? Dans ce royaume, l'amour ne compte pas. Dans ce royaume, c'est la responsabilité qui compte. Et c'est ta responsabilité d'épouser Amaka, que tu le veuilles ou pas. Tu ne peux jamais, j'ai dit jamais, et ne pourras jamais me forcer contre ma volonté. On verra bien. On verra très bien à propos. On verra. Ma reine, la princesse, votre fille est diabolique. Elle est de la rivière Tomag. Elle est très diabolique. Mais de quoi parles-tu? Elle sait ce dont je parle. Elle ne touchez pas à mes oins. Et ne faites aucun mal à mes prophètes. Dis le Seigneur Dieu très haut. Oui, Seigneur. Ma reine, la princesse, est celle qui est derrière toutes les atrocités
dans ce royaume. C'est ça. Mais la rédemption est arrivée en ces jours. Rikasharabashandarabashoko. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu mens. Tu mens. Je suis la princesse de la rivière noire et tu ne peux rien me faire. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, force du mal. Toi, esprit impur qui habite en elle. Je dis sors. Sors de ce corps. Je te commande de sortir au nom de Jésus. Amen. Elle ne t'appartient pas. Désormais, elle appartient à Jésus-Christ. Toi, esprit impur, sors. Sors de ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Rikaraba Shakaraba. Shondorobo Shaka. Sors maintenant. Sors de ce corps. Au nom de Jésus. Sors. Sors. Je te chasse. Sors de ce corps. Sors de ce corps maintenant. Sors. Libère ce corps. Libère ce corps. Au nom de Jésus. Libère ce corps. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Ce corps va être délivré aujourd'hui. Sors. 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 Je te commande de sortir. Sors. Sors de ce corps. Je te commande de sortir. Au nom du Dieu Tout-Puissant. Sors. Sors. Oui, Seigneur. Fais Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Comment oses-tu? Ce royaume appartient aux ténèbres. Vous, esprit impur de l'enfer, vous n'avez pas de place dans ce royaume. Randa katarazo shokoria. Rende rebe shekerebo. Sortez! Allez-vous-en, rebo shandarabasha. Non, vous ne pouvez pas toucher celui que le Très-Haut a envoyé. Je vous chasse de ce royaume. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Retournez d'où vous venez! Retournez! Sortez d'ici! Allez-vous-en! Au nom de Jésus! Allez-vous-en! Hors de ce royaume! Pourquoi tu m'as abandonné? S'il vous plaît, ne me tuez pas. S'il vous plaît. Je vous en prie, ayez pitié. Ayez pitié de vous en prie. Hors mon passage! Hors mon passage, jeune homme! Écoute, je ne suis pas là pour te défier. Je dis va-t'en! Tu sais, il y a des esprits qui opèrent en toi, qui sont la cause des atrocités dans ces royaumes entiers. Mais ne t'inquiète pas, tu seras délivré aujourd'hui. Shantarabakatabosho. Qu'est-ce que tu dis? Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Stop, arrête-toi. Tu n'as pas de pouvoir sur lui. Il est à nous. Il appartient à la rivière noire. Vous mentez. Vous mentez. Vous, esprit impur. Vous qui venez de l'enfer. J'ai bien dit, il n'y a aucun nom qui soit plus grand que le nom de Yahya. Vous ne pouvez pas m'avoir. Non, le Seigneur Très-Haut qui m'a envoyé, celui que je sers, est avec moi. Maintenant, retourne à l'expéditeur. Retournez d'où vous venez. Rekarabashakababa. Retournez d'où vous venez. Retournez. Allez-vous-en. Au nom de Jésus. Rekarabasha. Rekarabasha. Tu es délivré. Les esprits que tu as vus, tu ne les verras plus jamais. C'est le message que j'ai pour toi. Et comme je t'ai dit plus tôt, je ne suis pas là pour te défier. Dans aucune forme ou dans n'importe quelle manière. Je ne suis pas contre votre tradition, contre votre culture, ou que sais-je encore que vous faites. Tout ce que je veux pour toi
et que tu sois sur le bon chemin. Tu dois servir l'unique et le seul vrai Dieu. Je ne sais pas qui tu sers. Fais le juste de la bonne manière. Je sais que tu comprends quand je dis de la bonne manière. Ne t'inquiète pas. Dès à présent, tu vivras en paix. Les esprits qui opéraient en toi, tu ne le verras plus jamais. Que Dieu te bénisse. Amen. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram aforevo.dobbing, sur notre site web www.aforevo.dobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.